Non, la omelette, c'est vraiment un bon fromage. Fondu, à manger en sortant du frigo, sur du pain, sans pain, franchement c'est ouf. Et je pense que c'est l'un des fromages les plus polyvalents. Pour ça qu'il a mon point pour ce soir. Je trouve ça infâme, la FM sur rétro, rien que te regarder, j'ai mal. Ouais, c'est pas la même chose que sur Ophi, c'est juste que sur Ophi, ça lag de ouf. Hein. Voilà, faut dire ce qui est. Sur Ophi, ça lag. Alors, il y a quoi? Yuki et Kafib Doucis qui jouent comment? Feu. Lightman. Très bien. Et Feka. Je joue avant le Feka. Ah, pardon. Go, go Feka. Je pense le Feka, je l'arrose. Hein. Quoi? Non mais, pff, putain. Bon, c'est le dernier coup avec Looper, je pense, là. Oh, ma côte. Est-ce que vous avez vu les cas avec moi? Patrick. Bon, évidemment, niveau 135. Et pourquoi est-ce qu'on joue niveau 135? Pour sortir un stuff, 30 à 40% raise. Sans réécrit et 30 réfix en moyenne. Fois, c'est... J'ai trop de cotes, je pense. J'ai trop de cotes. Ok, alors. J'ai pas de PO? Attends, il m'a pas l'engrappe. Bah non, il joue pas. Pourquoi j'ai pas de PO? J'ai un bug. J'ai un bug sur ma coiffe. Normalement, j'ai PO modifiable, j'ai pas... Putain, mais ça pue la merde. Tu dis n'importe quoi. C'est pas possible, ce genre de truc. Je vous assure que c'est possible. Bah, petit tour, hein, du coup. Petit tour. Tu es trop fort, c'est pour ça, keuf, keuf. Bon, ils sont en train de devenir potes, là, mes alliés, tant mieux. Ouais, mais les cas, bon, laisse tomber, en fait, hein, c'est... Je dirais pas que c'est auto-win. On a un avantage. Après, le truc, c'est que eux, ils peuvent taper tranquillement. Nous, on va devoir s'exposer pour le faire. Le steamer a déjà pris hyper cher. Donc, Steam 136 et K135. Et moi, je suis avec eux. Et en face, ils sont près du même level. Ouais, plus niveau 110. Hein. Yuki 113. Drexia 115. W9 ont diffusé Divergente 2 en prime time. Et là, ils diffusent Divergente. Ils ont cru que c'était Star Wars. Ok, mais juste malaise. Pourquoi t'éteins pas juste ta télé? Il est en train de faire quoi là, malaise? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, t'éteins ta télé. Tu mets sur ton écran principal ton jeu. Écran secondaire, le stream. Tu passes un moment, c'est beaucoup mieux. Petite question, s'il vous plaît, joue Yop Terdocrite. Full stuff, il me reste 50 millions, c'est mieux quoi? Vulbis ou Pritech, merci. T'es un Yopter? Tu peux pas mettre une capologie? Sinon, entre Vulbis et Pritech, faut mettre la Pritech en ce moment. Hein. En 3v3. Parce que tu montrais ton rétro de merde. Oh la rage de ouf. Ok, ok. Alors, il debuff ou pas? Il a pas oublié d'évo une tourelle? Non, priorité aux rocks apparemment. Il a fait mal, hein. Là, Yuki t'a pris hyper cher. En même temps, il est niveau 136, donc il y a le stuff qui va avec. Ouais. Bah, en fait, j'ai un bug sur ma coiffe de classe, je pense. Regardez, j'ai même pas l'orage. Donc, c'est comme si j'avais rien en coiffe, là. Est-ce que j'ai la manif? Bah non, j'ai même pas la manif pour un PA.
pue la merde, ce genre de bug. Alors, Patrick. Patrick. Est-ce que je vais devoir insulter la moitié des mecs que je croise en colis ce soir? Vraie question. C'est-à-dire qu'Apology, je suis en coop Cthulhu cœur saignant, donc bloqué en 11-5. Et à Apology, c'est pas mal, hein? Non, us, stop. Mais il se bond du félin dans un glyph Ravita. Et il comprend pas que j'ai pas tapé un mec qui était sous bastion ou que j'ai pas eu la ligne de vue sur un écaflip en étant ici. Comment veux-tu que je garde mon calme? Il est complètement con avec son mode 40% res. Laisse-toi faire use. Oui. Tape le comploteur. Tape le comploteur, ça te donne de la puissance. Tape le comploteur, espèce de con, là. Ok, c'est bien. Ah, c'est un tatouf qu'il a, Patrick. Okay. C'est pas mal, ça, ce qu'il fait. Bon, ça me rapproche un peu. Est-ce qu'il y a un danger vis-à-vis des cas flip? Les cas est loin. Il peut torcher Patrick. Ça va, Yuki, il est tranquille. Yuki, il est tranquille. Et Yuki, c'est marrant parce que c'est un pseudo de chien et il joue pas un chien. J'ai pas le lance solaire à ce level. Non. Dommage. Du coup, en fait, t'as une prévision où tu vois la manif pour 2 PA, mais en fait, quand tu la lances, ça te coûte vraiment 1 PA. Donc à la fin de ton tour, il te reste 2 PA. J'ai pas compris. C'est pas grave, 700 HP sur Light. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu lui mettre un drain, non? Je sais pas. En fait, le problème, c'est que le drain à ce level, bah voilà, 2 cases. Pas ouf. Pas ouf. Par contre, là, les cas, le Feka, il fait une grave erreur. Hein. Grave erreur. Bah ouais, mais là, il a juste abandonné sa team. Là, Patrick, il tue le SRAM. Yuki n'a pas les dégâts, je pense. Putain, mais orage, un tour sur deux. Si je décore Eco, ça marche ou pas, la coiffe? Parce que ça peut pas mal de me pourrir, hein, ça. La coiffe qui marche pas, bah ça m'aurait permis peut-être d'achever Yuki, juste. Voilà. Voilà la vérité. Tu déco, Groco, hors combat, tu enlèves, tu remets ta coiffe. Ah ouais. Oui, allez le chaton, ouais. On tape, Yuki à 600 HP. Yuki qui peut faire des dégâts, hein. Il est feu, il a 12 PA.
Après, ça va, j'ai quelques raises. FDP, apprends à jouer en équipe, imbécile. Il n'est pas content. Tout, rien, chance. Ok, hop, manif, manif, manif. Ah non, il n'y a plus la manif. Compliqué ce jeu. Compliqué de ouf, lui il est vulné. Si seulement j'avais l'orage. Oh, j'aurais pu régénérer de ouf là en combat. Orage, vol de vie. Mais c'est pour ça, le ratio de dégâts PA de l'orage, franchement, c'est pas mal. Hein. Pour ce level, 30 dégâts pour 3 PA, PO modifiable, c'est ouf. C'est ouf. Remboursement bête, bug coif. Bah, on n'a pas encore perdu, hein, mais oui, là c'est compliqué quand même. Ouais, en vrai, ça va partir sur un remboursement, je pense. Enfin, c'est pas normal. J'ai même pas vu qu'il y a une prédiction. Pourquoi vous mettez en pression là, avec des prédictions? Sans la coiffe, j'ai la moitié de mon gameplay. Je peux rien faire, quoi. Il libé parce qu'il n'y a pas la cape de classe. Bah non, en trait, il fallait mettre une cape Minotauris. Pour les raises. Mais voyez, les niveaux 135, ils sont un petit peu sous pression. C'est ceux qui parlent le plus. Ils sont pas en forme. Mais je comprends, en fait. Ils sont toujours sous pression parce qu'en fait, tout leur combat, ils puent la merde. Chaque fois, soit ils gagnent parce qu'ils ont en face un adversaire qui n'a pas réussi à faire son crit sur un mode 132 crit, soit parce qu'ils ont eu avec eux le mec qui a 30-40% reste casque drac Minotauri, mais et puis en plus de ça, les combats ils sont toujours déséquilibrés à ce level. Forcément, les mecs ils sont pas bien. Faites du colis 110, mais pas 130, ouah, cette méta pue tellement la merde. Pue la merde. Vous faites plus de dégâts en étant niveau 110, hein, clairement. Bon, attendez, parce que là, les Kaflip est en vie. Il fait face à Drexias le Feka. Drexias qui tape R, les Kaflip à 39%. Donc, normalement, le boss de donjon, il devrait bien s'en sortir. S'il n'y a pas de Gravita, il est mort. Aussi simple. Ok, bah il est mort. Peut-être pas maintenant, parce que... L'autre con, il y a des raises. Faible, hein, les dégâts, honnêtement. Pas pour dire, mais destin à moins... Ça fait combien, sans le rempart? 260... Ça fait moins 600. Moins 600, le destin. Pour 4 PA. Bah, le stuff 110, on fait un moins 700 pour 3. J'annule, du coup. Non, on annule pas. C'est fini. Je pense qu'on va gagner, là. Si on gagne, y a pas de raison d'annuler. Oh, le déséquilibre, quoi. C'est abusé. Putain, mais c'est quoi ces dégâts de merde ?
Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Facile, a dit ce connard. Putain, mais quel... Ouais, ça, je te mets un ban 10 ans, en vrai. Stalk les cas. T'inquiète, ça va être cringe. Hein. Ne t'inquiète pas. Donc, Cap Minotauris. Casque drague, baguette des limbes. Tatouf. Ah oui, pourquoi mettre un Black Tea Hobby qui donne des stats quand on peut mettre un familier qui donne 100 récrits. Aimantaire, énorme forceur. Pff, non mais c'est... Alliance Elia Wood pour Adérez. Putain, mais ça donne aucune stat et aucun dopou. Et ça donne un petit peu de dopou. Non mais sérieusement, quoi. Le level. Il y a combien de dopou? Il y a 249 dopou. Alors sur usenet.fr, on va comparer rapidement. Ouais. Forcément, on a un petit peu moins de dopou, mais c'est pas parce qu'on est sur les 710 et qu'il est sur les 730. C'est juste parce que là, on a un Volcorn, en fait. Juste parce que là, on joue un Volcorn 60 dopou. Pour ne pas XP. C'est juste ça qui fait qu'on a moins de poux. On a plus de stats et on a une cape de classe, on tape à 3 PA et destin. Bref, ce genre de mec pue la merde. Et vraiment, c'est pour ça qu'il faut pas jouer niveau 130, parce que t'inquiète pas, des bolos qui se prennent au premier degré et qui jouent des modes 40% raise, t'as que ça.